Yo les potes, comment ça va? Dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui, on va parler à propos de Travis Scott. On n'oublie pas Galaxy Cup. Et vu que le dernier vidéo, j'ai oublié à propos de Reagan, on va aussi parler à propos de la Reagan. Ça, c'est les trois trucs qu'on va parler aujourd'hui. Et bon visionnage. On va commencer avec le Travis Scott. Du coup, Travis Scott, on a vu un rumeur qu'il allait revenir. Moi, je suis pas sûre, je sais pas. Je crois pas que Travis Scott il va revenir parce que Travis Scott, il a été ban, mais maintenant il a été unban. Qui dit qu'il va se passer parce qu'il y avait une collab normalement aujourd'hui, mais comme on voit, il n'y a pas de Travis Scott. Peut-être cette nuit, il y aura Travis Scott dans la boutique d'objets. Bon, les potos, comment? Bon, les potos, c'est Travis Scott. Moi, je crois pas trop parce que Travis Scott, même le créateur, du coup, Tim Sweeney, je crois, je me rappelle plus qui, il avait dit en genre, il avait dit que Travis Scott, il était bien unban des fichiers du jeu et il sait rien à propos des trucs. On n'a pas d'informations et c'est lui le chef, du coup. Je crois pas qu'il va revenir parce que si lui il savait qu'il allait c'est lui le chef, du coup il doit normalement tout savoir. Maintenant on va commencer avec la Galaxy Cup. La Galaxy Cup, c'est une cup qui va se dérouler demain et après-demain. Demain c'est juste pour les joueurs téléphone, et bien sûr on va le faire moi sur téléphone. Je vais me connecter sur téléphone, je vais être live bien sûr, je vais pas faire un vidéo, t'inquiétez pas, mais sur le PlayStation bien sûr je vais faire une vidéo. Du coup la première cup on va faire une live du coup sur téléphone et la deuxième on va faire une vidéo sur la PlayStation. Et parce que normalement le premier cup c'est que pour les joueurs iOS, Samsung, t'as capté, ou téléphone. Le deuxième cup, c'est pour toutes les plateformes, même téléphone. Du coup, téléphone, ils ont deux chances. Moi aussi, j'aurai deux chances. Let's go. Et il y aura 2000 personnes européennes pour gagner cette cup. Si vous êtes autrement dans le monde, vous allez avoir moins de chances. Genre, comme en Amérique, 1500. Ou en Asie, 250 joueurs pour avoir cette truc. Bundle skin, bien sûr ça va être totalement gratuit. Vous pouvez, si vous êtes unranked, vous pouvez pas jouer. Vous devez être bronze, argent, or, platine, diamant, élite, champion ou unreal. Si vous n'êtes pas en ces rangs, vous pouvez pas jouer malheureusement. Je crois que vous êtes tous au moins un rang. Sauf si vous venez de commencer, mais c'est normal. Vous avez la chance que vous gagnez la cup pendant que vous gagnez. C'est petit. Du coup, c'est pour ça. Ça va être des free kills et tout. Ouais, des free kills, c'est pas bien. C'est pas bien pour la santé. Du coup, aussi, ça va se développer demain. On va être live, bien sûr. Et après demain, il y aura une vidéo directe après. Non, en vrai, pas après demain direct. Ça va être pas après demain, mais après demain, il y aura une vidéo qui va être publiée sur YouTube. Oui, sur YouTube, pas sur Twitter. Et on va faire une petite vidéo. Il y a plusieurs trucs à gagner, un skin, un pioche et plusieurs trucs. Et on avait aussi entendu les gens qui vont gagner. On pourrait aussi l'acheter dans la boutique. Et dans la boutique, ça va être payant. Pas gratuit, ouais. Mais pour les gens qui vont gagner la cup, soyez contents parce que vous allez avoir deux variantes exclusives. Exclusives que personne d'autre va gagner. Du coup, il n'y a que vous. Ils peuvent pas l'acheter dans la boutique. Ça va être les variants rares, vraiment rares. Ça va être peut-être un des skills le plus rares au monde. Parce que ça va être plus rare que la Renegade Trader dans quelques... Donc quelques... En vrai, même déjà après la coupe. Et les mecs, parce que... Ouais, on a un petit peu trop parlé. Il y a un cosmétique. Et si vous atteignez les 8 points, vous allez avoir un spray gratuitement. Les 8 points, c'est pas difficile. Faut juste avoir 8 kills. Ou
Il y a des bonus trucs si vous ouvrez un truc avec les clés ou vous ouvrez un coffre fort, vous allez avoir 3 points. Ouais, 3 points. Du coup, là, moi, si je vais... Ouais, j'ai 3 clés, let's go. J'ouvre juste 3 trucs, j'ai déjà 9 points. Du coup, j'ai déjà trouvé le... J'ai déjà eu le... 9... C'est aussi beaucoup que 9 kills. Du coup, si tu fais encore 9 kills dessus, c'est encore le double. C'est tout beaucoup. Et ben, on a assez parlé, c'est la fin. Maintenant, on va commencer à parler à propos de la Raygun. Je trouve vraiment bizarre pourquoi, comment ça, que j'ai pas parlé à propos de la Raygun. Parce que c'est l'arme le plus OP du jeu. Oui, l'arme le plus OP du jeu. Et vraiment, on peut pas le trouver dans Creative malheureusement. Parce que c'est incollable. Les armes collables ne se trouvent plus dans les... Dans les modes créatifs. Du coup, c'est aussi un petit peu pas grave parce que c'est le choix de Fortnite. Et c'est, on est déjà content que c'est dans, que ça va partir un jour parce que wesh, si toi tu l'as, t'es content, mais quand il y a quelqu'un d'autre qui l'a, tu vas commencer à pleurer. Et mais il y a un petit problème, c'est trop OP. C'est trop OP. Juste de loin. Même de, en vrai, si, même de loin, frère. Même de loin, c'est trop OP. C'est le seul truc que je peux dire. C'est trop OP, frère. C'est OP! C'est la fin de la vidéo. Y a quelqu'un, je cherche pour un bon monteur qui pourrait faire une petite intro et un outro. Du coup, l'intro, genre, comme Traki, t'as capté, hein. Et genre un outro, du coup la fin, genre je sais pas, en vrai juste pour un outro, c'est la fin, merci pour regarder, bye bye.